Monsieur Marchand, votre question pour les autres candidats ? Je n'ai pas de question à poser aux candidats qui sont autour de cette table, sinon à dire que la démocratie s'exprimera samedi prochain, et que chacun va présenter ses programmes avec ses convictions. Voilà, c'est ça, tout simplement, la démocratie. Et ce sont les électeurs sous le droit qui... N'y a-t-il pas un point que vous aimeriez voir éclairé ? Écoutez, je crois que ce qui s'est exprimé autour de la table a bien montré les différences qui existaient entre nous. Et donc, les sous le droit pourront choisir en toute connaissance de cause. Monsieur Morino, vous avez une question, peut-être ? Eh bien, moi, j'aimerais poser à Monsieur Marchand, effectivement, une question qui est en rapport avec l'échange qu'il y a eu précédemment. Trouvez-vous normal, Monsieur Marchand, de faire payer aux contribuables français les frais importants de la primaire saumuroise entre les deux candidats qui sollicitaient l'investiture du Parti Socialiste? Monsieur Marino, je vois bien là votre haute idée que vous avez de la démocratie dans ce pays. J'ai aussi l'idée de l'argent public, du respect de l'argent public. Mais je vais aussi parler de l'argent public, Monsieur Marino. La primaire socialiste dont vous parlez, c'est effectivement ce qu'en a fait la presse et ce qu'en ont fait les gens qui ont voulu nous opposer pour espérer nous séparer définitivement, Jacques Goulet et moi. Ils se sont manifestement trompés. Chacun dans ce pays, M. Marino, a le droit, et c'est très bien comme ça, vous aussi vous avez ce droit-là, d'être présent à une élection. Il y a des règles à respecter. Nous avons respecté ces règles et nous resterons, bien évidemment, dans l'enveloppe qui nous est attribuée, en essayant au maximum de ne pas dépasser ce qui nous semble être une dépense convenable, normale, pour une élection comme celle-ci. Chacun jugera de votre remarque, mais moi je suis particulièrement inquiet sur les libertés que vous laisseriez demain à nos concitoyens si, par malheur, vous arriviez aux responsabilités. Vous voulez répondre à ça, M. Morino ? Oh, bah, si vous voulez, ça fait partie l'idéologie qui est permanente maintenant depuis des années, même si elle s'adoucit un petit peu, où on considère que le Front National n'a pas le droit au débat public. Des gens veulent nous guider, nous dire ce que l'on doit penser. Il faut savoir tout de même que d'autres sur notre liste, on a exclu deux membres de notre liste d'organismes divers, notre ami Christian Gauthier, syndicaliste CFDT, et moi-même, bénévole d'une association caritative de la solidarité. Tout cela parce que on défend une position qui est différente de l'intelligentsia. Donc on a l'habitude et les gens jugeront. Merci. J'ai eu le sentiment d'avoir dit exactement le contraire dans mon propos. Je crois que vous avez effectivement la même liberté que les autres d'être présent dans des élections, mais vous n'avez pas le droit de brider les libertés des autres. Monsieur Robin, une question. Peut-être une question. Parce que bon, l'accord est tout frais et je voulais juste savoir, Jean-Michel, quelle sera la position pendant les 6 ans à venir si toutefois vous arrivez aux affaires? Est-ce que tu resteras élu pendant 6 ans en tant que maire de la ville de Saumur, si toutefois les Saumurois te font l'honneur de te mettre en tête dimanche soir? On a vu à Angers ce que ça peut faire quand des gens finalement du coup sont illégitimes, parce que eh bien, quand il y a une passation de pouvoir en cours de mandat, c'est toujours naturellement très mal perçu, sauf éventuellement à ce que ce soit dit avant. Est-ce que je peux, ma question est à peu près du même style, est-ce que je peux également la poser, puisque Monsieur Marchand pourrait... Oui, il y a du temps, si vous voulez, ouais. Hein, j'avais aussi, moi, une question pour Jean-Michel Marchand. Si votre liste arrive en tête dimanche, vous serez vraisemblablement élu maire de Saumur. Alors, Monsieur Marchand, serez-vous vraiment le chef? Votre liste, aujourd'hui, elle comporte plusieurs têtes, Monsieur Marchand, Monsieur Boulet. On y avait aussi Madame Saramito, M. Lehmann. Entre ces différents antagonismes qui ont été sur la place publique, c'est je t'aime moi non plus, pourrez-vous vraiment gouverner
la ville de Saumur. Serez-vous vraiment le maire de Saumur? Monsieur Marchand, c'est pas la même question. Première question, ferez-vous le mandat entier? Écoutez, si ma santé le permet et si les circonstances extérieures ne s'y opposent pas, je ne comprends pas bien le sens de cette question. Mais j'ai entendu parler, le mot qui m'a plus frappé, c'est le mot légitimité. Nous serions plus légitimes, certains que d'autres. Lorsque nous arrivons dans un mouchoir de poche, l'expression convient tout à fait, me semble-t-il, qui... Dans un confetti, même. Si vous voulez. Mais bon, vous savez, la démocratie, ça joue à une voix près. Et l'important, c'est de la respecter. Tout à fait. Lorsque nous arrivons dans cette situation-là, je pense que nous sommes évidemment l'un et l'autre tout à fait légitimes. Pardon. L'accord que nous avons passé est un accord qui nous permettra de gérer, je vais répondre aux deux en même temps, de gérer cette ville dans évidemment une complémentarité d'idées qui nous anime, avec des convictions que nous partageons. Et avec, je voudrais vous rassurer, Monsieur Hachin, cher collègue, si vous permettez, mon autorité, si je suis demain maire de Saumur, restera entière et d'une très grande fermeté. J'ai souvenir d'avoir déjà, avant vous, eu cette responsabilité. Et je pense avoir montré les capacités qui étaient les miennes à gérer une équipe. Il y a toujours des difficultés qui s'amènent, c'est simplement les relations entre les hommes et les femmes qui sont comme cela. J'ai le sentiment très fort que la volonté des uns et des autres, c'est d'abord et avant tout de servir. Et c'est dans cet esprit-là que j'animerai cette équipe. Précision, si vous voulez. Stéphane, monsieur Renan aussi. Servir, je vous en rends volontiers cette grâce. Nous sommes tous là, les uns et les autres, dans cet esprit-là. Ma question était, serez-vous, monsieur Marchand, en capacité d'être le chef d'une équipe qui a manifestement du mal à se réunir? Vous dites avoir exercé cette responsabilité, nous le savons tous, bien entendu, mais j'ai aussi le souvenir qu'il y a eu des conflits et qu'à l'époque, votre première adjointe a démissionné avec fracas. Aujourd'hui, on la retrouve à nouveau dans votre liste. Vous pouvez s'interroger. Non, vous vous trompez. Sophie Saramito, puisqu'il s'agit d'elle, n'a jamais démissionné de l'équipe que j'ai conduite. Vous vous trompez. Reprenez tout ça, vous verrez. Contact. Voilà. Est-ce que je serai le maire de cette... D'abord, on va laisser les Saumurois s'exprimer, si vous voulez bien. Absolument. On va laisser les Saumurois s'exprimer. Et puis ensuite, que les Saumurois comprennent bien qu'ils peuvent me faire confiance pour animer cette équipe et gérer cette ville. Voilà, tout simplement. Après, je ne sais pas, j'ai le sentiment ici d'être... Comme ça sera plus convenable. La confrontation sera physiquement réelle. Je voudrais simplement vous dire, mes chers collègues, que l'équipe que nous avons rassemblée, même si les négociations sont toujours des moments particuliers, cette équipe-là, elle est d'une très grande cohérence. Elle saura demain conduire les affaires de la ville. Précision, Stéphane Robin ou pas ? Enfin, Jean-Michel, le fait qu'on me pose une question, si tu penses qu'on est dans la confrontation, ça me pose une difficulté personnelle, parce que la question, elle était simple et claire. Michel Hachin s'est exprimé, il a dit que s'il était élu, il irait jusqu'au bout de son mandat, si j'ai bien compris. Nous, on a dit que si on était élu, naturellement, on irait jusqu'au bout de son mandat, avec une différence, c'est que moi, je ne serais pas candidat à la présidence de la Jour, si je considère qu'on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Maintenant, effectivement, la question, c'était est-ce que toi, tu iras jusqu'au bout de ton mandat ? Parce que le problème de légitimité n'était pas lié au fait de l'élection, vous êtes naturellement légitime tous les deux, avec Jacques Goulet. La question, c'est qu'on voit par exemple qu'à Angers, ça a posé une difficulté à un moment, quand il y a une transmission de pouvoir, parce que, eh bien, il y a un moment, celui qui récupère le flambeau en cours de mandat n'apparaît pas forcément comme étant légitime. Non, mais Stéphane, si mon changement de position par rapport à vous, qui est un exercice un peu facile, je vous l'accorde. Merci. C'est parce que vous avez eu trois questions à poser, ces trois questions s'adressaient uniquement à moi. Permettez quand même que je le remarque. Bien. Alors, bien évidemment que je suis en capacité d'analyser ce qui se passe autour de moi. Et il est les aléas qu'ont vécu certaines collectivités, et surtout
certains nouveaux élus. Soyez rassurés, j'y serai, j'y suis très 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 attentif. Le rôle d'une collective, le rôle d'une équipe, c'est bien évidemment, allez, on va se projeter un petit peu dans l'avenir, c'est bien évidemment, si elle est élue, de gérer la ville, d'être en contact étroit avec les citoyens, de la dynamiser, de développer son économie, mais c'est aussi préparer l'avenir, je ne manquerai pas d'y travailler. Avez-vous un sujet abordé, messieurs ? Un autre sujet ? Non, si ce n'est que moi je suis un petit peu surpris qu'on arrive à avoir de grands projets quand on a participé de près ou de loin à la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement. Donc je suis heureux que nous allons pouvoir, nous, Front National, avoir apporté notre regard un petit peu novateur, pas décalé du tout, mais en contact avec la réalité. Je parle de Saumur. Oui, ça fait partie. On est dans un débat local, monsieur. Ça fait partie, effectivement, nous pouvons avoir un regard un petit peu différent par rapport aux gens qui ont participé aux politiques depuis 20 ans, 30 ans. Un mot, monsieur Robin, vous n'avez pas beaucoup parlé à la fin. J'ai pas tout compris ce que vous avez dit, mais c'est pas grave. J'espère que les électeurs comprendront. Bah, je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite. Vous me permettez un mot ? Ouais, Stéphane, c'est bon ? Oui. Monsieur Simplement remercier Saumur Kiosk de cette initiative tout à fait salutaire qui permet aux protagonistes de s'exprimer, de ne pas être forcément d'accord, mais de s'exprimer de façon claire et courtoise, de façon à informer le mieux possible les Saumurois. Et les Saumurois jugeront dimanche leur choix sera le bon choix.